Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion d'une autre Sobéry. Nous sommes mercredi, il est 20h41 précisément et nous allons commencer le Note Sobéry. Puisque parce qu'il faut bien, hein, c'est comme ça, c'est en avançant qu'on avance, c'est comme on forge qu'on devient forgeron, hein. Et on retrouve donc notre fabuleuse, magnifique maison avec sa vague dégueulasse sur le toit. Et on a notre vieille pommette qui se réveille parce qu'elle a la chiasse. Oui, je sais, je commence bien mes lives, moi. Va pisser, Janine! Qu'est-ce que tu veux faire? Aller au travail? Mais tu vas pas aller au boulot à 2h40 du mat, quoi. T'es vraiment pas bien dans ta tête, toi. T'es pas net, hein? Oh non, pas la poussière, mais il fait pas le ménage, lui? Donc, la semaine dernière, nous avions accueilli un petit enfant... Ah, de la génération blanche. Voilà, qui s'est chié dessus d'ailleurs. Quel bonheur, j'avais oublié à quel point c'était génial d'avoir un gosse. Ma petite Céleste, tu vas être occupée de ton rejeton. Voilà, c'est un mec qui s'appelle Snow. Parce que malheureusement on a eu un garçon. C'est quand même triste ça. Ah oui, les garçons, on en a eu déjà 5 en tant qu'héritier. Ça suffit, hein. C'est pour ça qu'on en a fait un autre et que normalement, elle est en cloque. Elle est pas censée être en cloque? Elle n'est pas en cloque? Hein? Je sais plus, il me semblait qu'elle était en... Ah! On n'avait pas fait le test de grossesse. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, tu vas pas bosser. Tu vas te coucher. Non mais elle est malade, elle. Elle a chanté une berceuse, c'est mignon. C'est mignon la petite berceuse. Bon. Elle n'est pas en cloque, mais comment on va faire? Réveille-toi, Jacqueline. Alors déjà, tu vas commencer à faire le ménage, s'il te plaît. Faut te rendre utile un petit peu. Voilà, tu vas marcher sur les moutons. Comme eux-mêmes. Et après, tu mets en cloque ma Sims. Non mais dis donc. Elle a de ses nibards, mais alors... je pensais qu'elle était enceinte, c'est pour ça quand j'ai eu ces nibards-là, j'ai même pas douté. Même pas. Papa. Elle a de quoi remplir le bidou de son fils, hein, quand même. Fruit Zumba. Avec un machin pareil. Tout. Oh là là, on a perdu de précieuses heures. Bon. Papy! Oui, c'est pas grave, papy. Voilà, va parler à ton petit-fils. Ah, tu dois pisser aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces vieux? Ils sont tous... Ils sont tous paniqués. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon? Ça y est? Non, tu vas pas aller te laver. Non, ah, niveau 10, la compétence éducation pour Mathias. Mais c'est pas lui qui a besoin. C'est Céleste, hein, parce que bon... Aujourd'hui, nous allons nous pondre un deuxième enfant, mais il faudrait déjà qu'elle le fasse. Cette gourdasse, elle est pas foutue d'être enceinte quand il faut. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il va te cacher. Oh là là, le mec, le vieux là. Oh, c'est quoi ces éclairs de malade? Ah, ils ont fini déjà de ken alors que la musique n'a même pas fini. Te dire à quel point. Ça y est, là, elle est enceinte. Hein, les deux petites flèches rouges dans la fin, ça ne trompe jamais. Doudoudou. Alors attendez, parce que vous avez vu la taille des boobs. Oh la vache, j'ai oublié le carrelage. Wouah! Le carrelage de qualité. Flash. Regardez la taille des boobs, hein. Ça va être pire.
Ah, dis-donc! Même pas le tir à la chasse, c'est dégueulasse. C'est bon, chérie, hein, tu as bien réussi! Quimble Regineo. Oui, pardon. Je suis un petit peu tatillonne ce soir. Ne m'en veuillez pas. J'ai comme ça, j'ai la vie, vous hein, voyez. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Est-ce qu'elle veut la vie au cœur? Ah, va bosser si tu veux, et bosser. Tu travailles dans 3 heures. Bah, vas-y, va bosser, je m'en fous. Tu vas voir que ça va bugger. Voir le bon côté des choses. Oui, voir le bon côté des choses. Comme même. Salut Kiara, comment tu vas? Il y a du monde au balcon, t'as vu ça, hein? C'est... Elle est bien pourvue, la coquine, hein? Qu'est-ce qu'elle a à brailler toute seule, Pomme, elle devient vraiment sénile, hein? Tu vas servir le petit-déj des œufs bouillés du balcon. Elle est sénile. Ah, elle est sénile. Oh! J'ai sursauté, mais moi aussi. Un petit peu que ce soir. Ouais, non, que ce soir, effectivement. Coucou Jaël, merci beaucoup pour ton abonnement. Gros bisous à toi, Smiley Boule, merci beaucoup pour le soutif. Cucu. C'est bien, elle le dit bien, Chanchan. Elle dit bien cucu. C'est mieux parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Et pas caca, évidemment. Oh, ils font des mamours derrière. Oh purée, non, 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 non. Et pas d'hystérie. Après, t'es... C'est... Oui, mais elle est enceinte, logiquement. Elle est safe parce qu'on connaît les morts par hystérie, hein. Trop de bonheur, les Sims, ils supportent pas ça. Leur petit cœur, il peut pas. Me fais pas ça, toi. Je suis pas arrivée à la dernière génération pour que tu claques pour des conneries, hein. Quand même. Oh, arrête de draguer ta fille, c'est indécent, voyons. Alors, on n'est pas des Lannister, nous, hein. Quand même. J'ai l'impression que dès que je dis comme eux-mêmes, je sais qu'il y en a qui tiennent un compte. Hé, hey, tu vas aller bosser. Et puis bon, alors aujourd'hui, le bébé numéro 2. Ah oui, ah, c'est très intéressant comme programme télé, Pomme. Mais aujourd'hui, on va surtout tromper notre mari avec Céleste. Hein, parce que c'est comme ça, c'est les règles qui font qu'il faut qu'elle ait une aventure secrète. Donc on travaillera de la maison un jour. Et on appellera le mec qu'elle a dragué le jour de son mariage. Parce que c'est une connasse. Voilà, c'est comme ça. C'est courant par ici, la mort par hystérie. Un petit peu trop, ouais. Enfin, ça arrive qu'une fois, mais bon. Oui, bien sûr, Kiara, c'est le même que mon pseudo. C'est Agent Shirley, tout simplement. Et coucou, Nani, comment vas-tu? On est déjà, tu vois, on a déjà commencé, mais... T'as pas loupé grand-chose à part une session de jambes en l'air pour parce que la demoiselle n'était pas enceinte, mais maintenant c'est bon, elle l'est. Ça témoigne cette opulente poitrine, parce que on sait tous que toutes les femmes enceintes ont un dessin qui triple de volume pendant la grossesse. Je dis ça, mais parce que pour moi, normalement, c'est après. Montée de lait, tout ça. Non, les cimes, c'est pendant. Après, j'y connais rien, moi, perso. Hein, ça m'arrivera pas. Ouais. Moi, j'ai pris de la volume des seins, mais juste à cause du gras. C'est... Puis je l'ai pris partout, en plus. Donc, c'est même pas une montée de lait, c'est une montée de gras chez moi. C'est comme ça que je nourris mes enfants. Je les nourris au gras. C'est horrible, ce que je raconte. Lille, Axel, tiens les comptes. Moi, j'écris juste comme même. Ok, très bien. Comment je chorlais? Moi, j'ai jamais réussi à tuer un sim sur la hystérie. Mais moi, c'est souvent quand je ne le veux pas, hein, que ça meurt par hystérie. Bah, t'es bien gentille, toi, tu ranges les plats dans le frigo. Je suis sûre que c'est la seule chose que tu vas faire. Et tu vas nous facturer 60 boules.
Quand tu veux, moi je veux être femme de ménage dans les Sims. Ça a l'air tranquille. Ou mieux une vie heureuse avec du gras qu'une vie malheureuse avec un gars. Ouais, c'est pas faux ça. Mais moi j'ai les deux, j'ai le gras et j'ai le gars. Hein, Marcelux? Quel bonheur, hein. Pourquoi je me plaindrais? Je voulais faire un petit tour sur les portraits, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Bon, hein, vous en doutez que j'ai pas encore fait le portrait de Céleste, hein. On n'y est pas encore. Et il pleut. C'est vrai que le papy, faudra qu'on le dégage, hein. On va faire le bénévolat, tiens. Ça ira plus vite. Casse-toi, tu me saoules. Voilà, va faire une manif. Allez. Manif contre le Covid. Il va manifester contre le Covid. Fait, on veut pas du Covid. Snow va mettre la garderie, tant mieux. Alors, temps libre, pas mal terminé, on s'en fout. On va écouter de la musique. Tu peux prendre aussi pendant, je suis passée par là. Ah oui, c'est vrai? Ah bah, tu vois, moi je pensais que c'était que après. On a tellement attendu Sweet Pomme, dis donc, ça va, oui? Tu veux me faire la fête ou quoi ce soir? Le Covid, c'est tabou, on en viendra tous à bout, c'est ça? Peut-être pas, vu le train des choses, hein, je sais pas. Ouais. Il y avait rien ici, hein, ça m'a rien cramé, hein. Ça m'a tout salopé le sol. Par contre, ce serait bien d'avoir la voilà, vitesse 3 pour aller passer plus vite. Bah, je sais que c'est l'hiver, mais bon, ils profitent pas beaucoup de leur maison quand même, hein. Snow est rentré de la garderie. Le bénévolat, c'est amusant et cela forge le caractère. Et puis, c'est bon de faire quelque chose pour les autres. T'as rien fait pour les autres, t'as manifesté contre une maladie. Donc ça n'a rien fait de plus ou de moins pour les autres, hein. Ils sont car le coquillard, les gens, hein. Il est content. Alors, Snow, tu grandis quand? Qu'on sache à quoi tu ressembles. C'est la meuf qui est trop impatiente des choses. Salut, Luciole, comment tu vas? La violence de l'orage, mais t'as vu ça? Mais moi, des fois, j'ai tapé de ses cris et de ses bons, hein. Il y a des fois, laisse tomber, hein. Ça fait des bruits, c'est... 2 minutes, pourquoi tu t'es pas amusé à les compter? Oh, ça va, je le fais exprès en plus. C'est vrai. Et je suis en train de repenser, le live d'hier, c'était pas le live, j'aurais pas dû dire de grossièreté. On l'a oublié celle-là. C'était quand qu'on en avait parlé? C'était au réveillon de Noël, non? On avait parlé de ça. Parce que comme il a duré un peu longtemps, je sais que j'ai pas résisté parce qu'il y a eu les brigands. Il y a eu les brigands, il y a eu le bison. Moi, je, hein, à un moment donné, voilà. Moi aussi, je te rassure. Salut Guillaume, comment tu vas? Ça y est, j'ai enfin la box free avec la fibre. Eh ben, tous mes fils de caleçon, comme on dit. Ah non, c'est tout. Non, non, c'est pas ça d'ailleurs. Tiens, tu vas aller voir ton petit-fils. Ah, tiens, il s'est chié dessus. Allez. Fais le boulot de ta fille. Hein. Vu que t'es là, que tu serves un peu à quelque chose. Oui, au réveillon. Demain, sur tous vos streams, retrouvez le comme même partout. Oh là là. Et continue à le faire, ça me fait bien rire. Et ben, je vais arrêter de le dire alors. Comme même! Tout ça parce que ça m'agace d'entendre des gens qui savent pas parler français qui disent ça et ça m'agace tellement que j'ai commencé à vouloir le dire. Tellement c'était moche. Je me suis fait eu, hein. À mon propre jeu. Ah, je sais que je suis vilaine, tu sais, je me regarde dans la glace.
Des fois. Non, mais toi, tu dis du coup. Oui. Allez, Madame Boubzi. Madame Boubzi, à la tronche. Oh, la gueule. Putain, elle fait peur. Oh, la vache, elle a pas de cou. Ah, c'est immonde. Ah, qu'elle est moche. Oh, qu'elle est moche. Mais quel gros teint. Ah, elle est dégueulasse. Mon Dieu. Comme même. Merci, Marine, pour tes 100 bits. Merci beaucoup. Elle a une promotion. C'était surtout pour ça que je voulais faire un stop. Promue au poste de habituée des stands de nourriture. Ah oui, c'est vrai, elle est critique. Moi, j'étais complètement dans une autre... dans ma tête, c'était plus ça du tout. Elle gardera désormais 24 simflouz de plus par heure, soit 73 simflouz de l'heure au total. Et elle gagnera au bonus 438 simflouz, salle à manger extérieure sophistiquée, interaction faire l'éloge du repas. Elle gardera désormais 73 simflouz de l'heure, soit... Je sais plus. Et elle travaille toujours la semaine. Oh non. Oh, on pourra pas tromper notre mec. Il travaille quand, lui? Oh, il doit avoir une promotion aussi. Mais non, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut qu'on attende lundi pour le tromper. On s'est trompé deux semaines. Oh là là, oh, oh. Quelle tristesse. Quelle tristesse, celle aussi, hein. En vrai, c'est cool. La connexion des meilleurs portés Amazon Prime offert pendant un an. Ah ouais? Moi, j'ai pas eu ça, moi. Punaise, je te jure. Netflix inclus dans le prix de la box et Disney Plus gratuit pendant un an. Ah, c'est dégueulasse. Moi, j'étais chez Free avant, ils m'ont pas fait tous ces cadeaux, hein. Comme eux-mêmes. C'est trop tentant. Elle a pris quoi pour avoir des yeux pareils? La foudre. La peur de la foudre. Non, c'est, regardez, elle peut être normale hein, quand elle veut, mais... Je pense que si ces fringues ne lui vont absolument pas... Mais regardez-moi la taille de ses ins, quoi. Je juge pas, hein. Je constate qu'elle a des ins extraordinairement gros. Tu peux aller à la salle de sport pour le tromper. Est-ce que c'est pas un peu sale de tromper alors qu'on est en cloque ou pas? À votre avis? Quand même, tu me cherches aussi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh non! Vlad! C'est quoi ce prénom? J'avais oublié. Vlad, il a pas eu sa promotion alors qu'il avait tout comme il fallait. Tu te fous de ma gueule? Ah oui, est-ce qu'il faut qu'il atteigne le niveau 2 de la compétence cuisine? Mais oui, mais c'est la place de la femme, la cuisine. Pas la tienne. Oh merde. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il va pas se promener sur la quasip, mais il est fou, hein. Mais ils sont tous fous, hein, dans ce jeu, hein. Ça tourne pas rond, hein. Ni carré, hein, ni ovale, hein. Y a rien qui tourne. Salut son mono, comment vas-tu? Non, on veut chasser. C'est les hormones. Mais j'ai un instant de m'abonner avec Prime et ça s'affiche pas. Mais en fait, t'as encore ton badge, t'as encore ton truc. Peut-être qu'il faut attendre qu'il disparaisse pour qu'il s'affiche. Il est 21h. Toujours la petite... hein. La petite... Bah vous la voyez en plus, non? Ah non, vous la voyez pas. Si, elle est là. Elle tourne, regardez, elle est là. Schling, coucou, c'est moi. C'est moi qui parle à 21h. La petite caméra de surveillance. C'est-à-dire que je peux même me surveiller moi-même. C'est beau, ça. Je verrai mon gros dos tout grasseux. Ni triangle. Non, ça tourne pas triangle, effectivement. Oh, c'est dégueulasse, on dit tous non à du sexe avec la tête du bébé. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est?
senti la clope. Madame ? Mais qu'est-ce que c'est que cette meuf ? J'ai vu mon cucu rose. Et ben voilà, tu as ton cucu rose. Merci beaucoup, sur Moyen, pour ton 5e mois d'abonnement. Gros bisous à toi. Et Smiley Bull, merci beaucoup pour le soutif. Et voilà, ton prime est passé, ton cucu rose est arrivé. Normalement. Ah non, c'est le 5e mois, non, c'est un an pour le rose. C'est un an. D'ailleurs, j'ai toujours pas retravaillé les couleurs. C'est bien que vous m'y refaites penser. Faudrait que je m'y mette demain dessus. Il est pas rose. Bah non, il est pas rose, c'est un an le rose. T'en pixes et prends des photos aussi, la vilaine caméra. Oui, aussi, ouais, j'avoue. Alors, elle est mariée avec Jess, cette vieille peau là. Alors qu'on la connaît pas et qu'on veut pas d'elle en fait. Donc, en plus, t'aimes pas la déco, fous le camp de chez nous quoi. Mais c'est quoi ces gens? C'est. Ce jeu est pété! Et pas dans le bon sens! Et elle dort. Attendez. Alors, parce que... Hey, tu vas faire de la photo. Parce qu'il faut qu'elle ait des compétences 5 en photo. Là. Ah non, c'est bon, elle avait des... On avait... Ouais, c'est ça. Tu vas prendre une photo avec ton appareil photo. Je me disais bien aussi que normalement, on avait pris... Oh, waouh! Waouh! Pluie à Soulani. C'est une composition. Alors, oui, vous saviez... C'est noir et blanc, mais ça se voit pas en fait. C'est le contraste de la vie qui est en couleur. Et avec un noir et blanc, où on ne voit rien comme différence, c'est parce que c'est justement ça qui fait que c'est artistique. S'asseoir sur le sol. J'ai pas cliqué. Il est fou, lui. Ici, c'est une allégorie de la solitude, voyez ce... Ce petit tabarnak de bouée gonflable est complètement abandonné sur la rive de l'eau avec la pluie qui lui tombe dessus. Cette pluie qui est sombre et lui qui est bleu étincelant. Et pourtant il est seul. Il illumine mais c'est dans la solitude. Alors c'est une allégorie, voyez. C'est l'artiste, c'est l'art qui fait tout. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Oh. Non, son mono, elle était pas en cloque, en fait. Donc là, maintenant, elle l'est. Calme-toi, la vieille, calme-toi. C'est pas grave, Opaline, tu vas quand même y passer, hein. Tu sais, tous tes ancêtres, ils sont passés par la mort avant toi. Hein. Et c'est pas grave, ça arrive. Hein. C'est horrible ce que je dis. La gorille, elle s'en tue. Salut Anne, comment tu vas? On dirait le ciel de Schnorr. Oh, vilaine! Comme même! C'est pas vrai? Bah, il faisait pas super beau non plus à Paris aujourd'hui. C'était pas terrible. Non, on te connaît pas. Je sais pas, fais le ménage. Jeter? Bah, jette alors. Libre là-bas. Oui. Non, tu vas pas jouer aux Sims. Il te faut des compétences 10 écriture. Tu vas travailler. Tu vas écrire un article. Et tu vas t'entraîner à écrire. Qu'est-ce que c'est? Plaque murale, ustensile supplémentaire. Une plaque de commémorative des critiques de répaille que vous avez reçue pour avoir commenté sans scrupule la cuisine locale. Qui se serait douté que vous aviez la critique aussi facile? Bon, il y en a plein qui critiquent facilement, hein. Vous pourrez vous servir de cet ensemble de couverts supplémentaires si vous avez la flemme de faire la vaisselle. Ah là là, les Sims, quel humour, hein, quand même. Ah, tu vois, j'ai... Waouh. Ou si tu veux que tuer quelqu'un, c'est pratique, c'est à portée de main, quoi. Bon, je trouve que c'est pas mal. Merci pour ce cadeau, incroyable. C'est ce qu'on a actuellement. Ah ouais, la drache comme ça. La bonne drache, hein, de Schnorr. Ça y est, Martial aussi s'y met. Faut que j'arrête avec ça, avec cette expression de marde.
Faut que j'en trouve une autre. J'arrive à m'auto-influencer, moi, avec ces conneries. Hein. Mais il parle pas, il est mort. Ouais, hein. C'est à croire qu'on n'a pas d'enfant, en fait. Hein. S'il parle pas. Bah, ça me dérange pas, moi. Hein. Je préfère ça que... qu'il hurle dans mes oreilles, hein, machin bidule, là. Ah oui, ouais. Tu vas cuisiner des raviolis. Tu vas te faire des raviolis. Ah, tu dois faire pipi, pardon, excuse-moi. Ah! Non? Oh, merde. Ce que j'ai fait? J'ai cru que j'avais arraché la porte. Je me suis dit, elle tient pas beaucoup, celle-là. Sur le... Non, ça va, il bronche pas. Heureux, heureux. C'est un bébé, hein, qu'est-ce qu'il raconte? Ça irrite les oreilles quand tu dis pas comme eux-mêmes. Oh! Déjà que par votre faute, je retourne cette ouais. Ah, Arciel, ça... Oh, punaise, il m'en a lâché. Il m'en a lâché un l'autre soir, là, j'étais choquée. J'étais au marché de Noël de Lille dimanche. Bah, c'est plus de la nourriture qu'autre chose. Ah ouais? Il y avait du sauciflard, dis-moi qu'il y avait du sauciflard. Mais je suis bête. J'ai été acheter quelques provisions pour le nouvel an et j'ai oublié l'essentiel. Faudrait que j'y retourne. Mon thé rosé, évidemment. Je l'ai oublié. Oh, punaise. Quelle tristesse. Comment je vais faire sans ça, moi? Bah, toi, ça va, sur pas de Noël, tout m'a regardé. Oh, bah, il était quand même bien dégueulasse. Je peux rien, moi. C'était sale. Oh, t'inquiète, papy, il va réparer. Ah, mais t'as pas pissé, du coup, Jean-Claude. Oh, c'est pas grave. Je vais cuisiner autre chose. Nonigiri, parce que c'est pour... C'est pour qu'il fasse sa cuisine, c'est pour ça. Oui, bah écoutez, hein, en attendant que ça accouche ou que ça retrouve... Parce que là, en plus, ça va être chiant. Parce qu'en plus, on va être le week-end, donc ils vont rien avoir à faire. Ça va être long. Saucisson sanglier. Ah, la vache. Bah, les sangliers, je sais où en trouver, moi. J'en ai chassé quelques-uns. J'ai goûté aussi son curry, un régal. Oula. Quand tu dis par votre faute, tu dis par la photo du chat ou à cause de moi qui rentre en live? Oh, c'est un petit... Oh, c'est un tout petit ça. Mais avant, je me serais jamais permis de faire ça. Mais honnêtement, c'est à cause de certaines vidéos... de certains youtubeurs où j'ai vu qu'ils commençaient à roter comme des gros dégueulasses et que c'était comme ça, tranquille et tout. Et en fait, ça me faisait marrer. J'ai dit, ouais, remarque, c'est pas grave. En soi. En soi, c'est pas la mort, quoi. C'est juste les conventions sociales qui font que, hein. Non, la vioque. La vioque. Tu te touches si tu veux dans les toilettes, mais tu laisses ta fille. C'est elle qui doit avoir une compétence 10, pas toi. Pourquoi ce serait mal vu? Dans certains pays, c'est bien vu de roter. Voilà, c'est tout. C'est naturel. Les autres, je les entends pas. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui t'envoient que des vocales sur Instagram, c'est que des rots. T'imagines? T'ouvres ton truc, t'as 15 000 messages avant que tu mets un message et... Ah, immonde. Ah, Marie, Martial est amoureux. Que veux-tu que je vous dise? Oui, que ça sort par le haut plutôt que par le bas. Et l'autre, il doit pisser. Chachetag! Allez, vas-y. Tu dois avoir le niveau 10, hein, Jacqueline, je te le dis direct. Donc tu vas pas le laisser dormir, ce gamin. Tu vas le trimballer dans tous les sens. C'est bon, il va pisser. Oh.
Combien t'es un niveau? Tu vas faire ça. Oh là, t'es tout orange. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, t'es fatigué. 9 en cuisine. Oh, c'est parfait. 3 en éducation. Oh, on a encore le temps. Est-ce qu'il faut niveau 10 hein? En cuisine, il faut 10. Ah, tais-toi. C'est bon, j'ai fait le challenge une fois des bébés. Là, je veux plus le faire. Photographie, on est 4,58. Et je pense qu'au niveau écriture, on sera obligé d'avoir un niveau 10 aussi. Donc, si tu reconnais à qui l'euro sur le répondeur, tu gagnes. Mais je connais pas votre voix, ça va être compliqué. Vu l'euro de la dernière fois, Charlie aurait peut-être pas l'entendu. C'est même mal poli de ne pas rôter dans sa réveil. Voilà, c'est ça. Je joue choqué, je rote aussi. Mais bien sûr, mais c'est humain. M'a pété aussi, hein, ça reste. C'est les tuyaux, hein, c'est normal. Hein. C'est juste qu'effectivement, t'as des trucs, c'est un peu plus moins convenable. Voilà. Ah! Tu fais ton Ricardo, Martial, tu oublies des mots. Attention, bah, le gosse il en peut plus là. Il fait mais lâche-moi, maman, bordel! Arrête de chanter, moi! Hé! Hey, j'ai plus les fesses, ça brille alors! Enlève-moi ça! Ça commence à gratter les fesses! Ça me colle! Pardon. Je comprends pourquoi les gens ne m'aiment pas. Ils viennent plus me voir. La meuf, elle est en train d'harceler son gosse, tu sais, elle en peut plus. Gamin, il en peut plus. Mais quoi? J'ai besoin de la compétence 10, moi. Je fais ce que je peux, hein. C'est le jeu, il dit. C'est le challenge, il dit. Hein. Moi, c'est pas moi, hein. Moi, ça tiendrait qu'à moi, ces machins-là. Pff, paf, congèle. Ou à la limite, si vous avez un trou dans le mur, vous pouvez l'enfoncer. Ça se faufile, ça, hein. Vous pouvez le couper encore en morceaux et tout. Pff, gosse. Faut créer un salon rose sur le Discord, sur ça tu te sentiras moins seul à rôter. Pourquoi il y a des trucs vocaux sur Discord? Ah, que en vocal. Ah oui. Je vois. Bah t'as qu'à faire le ménage, Jeannette, si t'es pas contente. Voilà, c'est comme ça. Tu vas aller manger ta salade et après tu iras te pioter. Ah, papa il pourra passer l'aspirateur demain. C'est bien, elle a travaillé aujourd'hui. Elle a travaillé. N'importe quoi. Attendez, éducation. Éducation. Et elle vient à peine d'avoir le niveau 3, elle est déjà à 3,61. C'est beau, hein. C'est les Sims, c'est magique. Pour quand le deuxième? En 5 heures, c'est ça? Dans 4 heures? C'est le matin, quoi. Je sais même plus à quelle heure j'ai fait. Oh, papy, mais qu'est-ce qu'ils ont ces vieux là? On va leur mettre un toilette dans leur chambre, hein. Ils ont l'air d'avoir du mal à se contenir, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, il a tout salopé. Ah non, c'est dégueulasse. Eh ben, je vais rater le... Dans 3 heures. 8 heures du mat, quoi. 2 heures. 7 heures du mat, quoi. Tu vas me contredire tout le temps le jeu ou comment ça se passe? Non, que je sache à quelle heure elle accouche, comme ça on est tranquille. Et salut, Grubixu, comment tu vas? Oh non, mais j'arrive pas à le faire aussi bien que toi. Mince, c'est où? C'est là? Je sais plus ce que je fais. Ça me perturbe. 24 minutes! Elle accouchera donc à... 4, 3, 2, 1... Chouchoubite! Ça sort 7h01 du mat. Voilà. Troisième trimestre. Bon, ouais. Ouais. Oh la gueule de la poubelle! Non! Non! Ouais, ça, oui, ça tu peux. Mais je veux pas que t'ailles voir le gosse. C'est juste ta fille. Parce que elle doit
Avoir le niveau 10. Le harcèlement. Harcèlement. Je parle comme ça, je m'attends à ce que tu dis ta barnaque. Ensuite, tu fais une compilation de rose, ça se trouve, tu tiens le tube de l'année. Ah ouais, je vais me mettre à la musique. On peut faire de l'éducation sans enfants. Non. Je pense pas. L'accent québécois mélangé à Patrick Bruel actuellement, si tu veux. Oh, casser la voix. C'est la voix. C'est la voix. Casser la voix. Ça, c'était... Ça, c'était du texte, hein, monsieur, mesdames, hein, dans le chat. Ça, c'était quelqu'un qui écrivait bien ses textes, alors. S'ils ont les vieux. Ah! Ça nous a cramé notre serviette de plage! Oh! C'est pas sympa! Si ce soir. J'ai pas envie de rentrer chez moi! Si ce soir. Non, mais avec les livres. Oh, je fais plus monter les depuis des années, j'avoue que. Je ne sais pas. C'est bien possible, cher mon enfant, mais je ne saurais dire. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Elle est vraiment comme ça en plus. Et maintenant, t'as... Ouais, la France sombre. Bon, je connais pas. C'est ça qui est bien. Oh, ils sont chauds, les vieux. Hein. Allez. Allez, hop. Allez faire vos saletés. Voilà, tu passeras l'aspirateur si tu veux après. Oh là là. Oh, bah, va tirer ton cou. Va, ça ira mieux. Ah. Maman. Non, tu vas pas parler. Allez, sors de ton bain. T'as ton fils qui te réclame. Oh merde. Oh merde, attendez. Ah, le harcèlement. Cet enfant est en manque de... Hein. Voilà, oh là là. Il a besoin de sa mère, regardez. Hein, c'est... Il faut, hein. Ah ouais, je connais ça. Du coup, je suis confinée pendant 10 jours. Je vais passer ma journée sur tes streams. Bah, t'as un bon stream à rattraper d'hier, hein, en cas où tu peux te retaper plusieurs fois si tu veux. Vaut mieux pas que tu la connaisses, ces paroles n'ont aucun sens. Ah ouais, bah Julien Doré non plus, ça a aucun sens et pourtant. Ça reste Julien Doré. C'est quand même mieux. C'est pour un challenge que je demande et vu que j'ai pas être parent. Ah mais donc t'as... Non mais ça veut dire que t'as pas la compétence éducation tout simplement en fait. Tu peux... Faut que tu la remplaces par une autre compétence mais tu l'auras pas. Tu peux prendre des trucs, faut pas mourir bête mais là vaut mieux rester dans l'ignorance, mais je pense aussi oui. Oh, vous savez maintenant les musiques d'aujourd'hui moi... Ouais la vieille que je suis... Oh vous savez les musiques d'aujourd'hui c'est des sauvages. Hein. Ils disent n'importe quoi, ils montrent que leurs fesses. Moi c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, je me suis endormie dessus quand j'avais mal au crâne. Je me suis réveillée dessus, j'ai regardé longtemps. Bah, c'était long, hein, le live d'hier quand même. Hein. Mais c'était le plus long live que j'ai pu faire. Je sais, mais il faut créer un challenge. Ah! Tu veux me mettre au défi? Je l'ai adoré. En plus d'être beau, il chante bien. Et il a un cœur gros comme mon cul, je dis. Oh là là, Martial, le jaloux. Et c'est l'heure de la pub, Marine a acheté une petite récompense, donc je vais vous balancer une petite page de pub, n'hésitez pas à mettre dans le chat le mot pub si vous en avez une à la place du stream. Ça veut dire que Twitch vous a pris au hasard parmi les non-subs, et ça veut dire aussi que sans rien faire, restant assis sur votre joli séant, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, et bien vous arrivez à me donner quelques petits centimes d'euros, donc je vous remercie d'avance. Tu fais bien la vieille. Ah oui, ben je fais surtout bien la jeune parce que ça, c'était ma voix normale. Hein? Quand même. Alors, t'as vu que je sais dire des choses normalement, moi aussi. C'est l'affaire.
À la limite, j'allais dire, tu pourrais prendre le soleil là, mais il n'y a même pas le soleil là, en fait. J'ai fait une terrasse là où il n'y a pas de soleil. Quel est l'intérêt? Et là, j'ai mis un drap de bain là où il y a pile le... Oh, mais je vous jure. Attendez. Parce que moi, ça me stresse qu'il tourne la tête. En fait, quand vous mettez la serviette, ils mettent la tête vers l'eau. Ben, moi, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fasse. Ah non? Musique d'aujourd'hui, je sais. Et si je mets pause, je peux y aller. Pareil, y arriver. Je vais faire du shopping avec ma soeur. La seule musique que je connaissais dans la voiture, c'est Squeezie. Ah, Squeezie! Pourquoi tu peux pas? Yefana! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, mon drap? Mais t'es con? T'es belge? Oh, pardon. C'est une expression du Nord que je regrette amèrement de l'avoir dit. Parce que c'était con ou t'es con? Mais c'est pas... C'est désolé. C'était... Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai grandi, on m'a toujours dit ça. Mais... C'est pas contre vous, les Belges, je vous aime beaucoup. Pardon. Le petit, non mais c'est vrai, c'est une expression du Nord, moi, j'ai toujours entendu ça. Et en général, je fais attention à pas le dire, parce que c'est vrai que c'est horrible, et je sais pas pourquoi. C'est les blagues à la con, vous savez. Oh, il y a un noir, un arabe et un je sais pas quoi qui rentre dans un bar et machin. Genre de conneries, vous savez. Et ben, par quand vous êtes dans le Nord, et ben c'est les Belges qui s'en prennent plein la tronche. Ça pourrait être autre chose. Non, c'est les Belges. Alors moi, j'ai rien contre les Belges en plus. Cherchez pas. Mais je suis désolée si vous l'avez mal pris, c'était pas mon intention. Et lui, au pis, c'est là qu'on allait y aller. Pourquoi c'est bizarre? Ça tu dis bonjour à qui? À tes parents, on s'en fout. Mais t'arrêtes d'aller là, on doit aller, nous. Tu m'étonnes qu'elle va aller le tromper, là. Relou. Ah non, tu bois pas, ouais. Tu vas pas passer ça. Qu'est-ce qu'on se marre? Alors, cuisiner. Je sais qu'il y en a qui vont me détester dans le chat. Oh, je suis désolée. C'est sorti tout seul. Et d'habitude, je le dis pas. Faut pas vexer. T'inquiète, les Belges ont l'habitude. Bon, ça va alors. Salut Lily, comment tu vas? On se comprend. Bah oui, toi tu connais. Vous connaissez les ch'tis quand même là. Que je sois pas seule parce que. Quand même. On aime les Belges et nous font rire. Oui, on va dire ça. Les Belgian alone. Ici, c'est les Bretons. Bah voilà, c'est complètement stupide, mais selon la région, on tape sur quelqu'un d'autre qui est à côté, mais on sait pas pourquoi. C'est complètement bête. J'aimerais savoir comment faire un live sur ordi. Bah c'est pas sur un ordinateur que tu dois faire un live, c'est sur internet. Si. C'est comme t'es sourd ou t'es bouché. Ouais? Non? Oui mais je suis pas sûre que c'est le bouché de celui qui coupe la viande. C'est bouché comme bouché bouché et non? Je sais pas. J'ai pas mis la pub. Parce que tu l'as... Parce que... Si, je l'ai vu. Mais tu l'as demandé trop rapidement après la pub de 30 secondes. Donc je vais pas pouvoir la passer tout de suite. J'attends qu'elle passe un petit peu. Comment on ouvre Internet? Alors tu prends un tournevis. Tu vas dans ton immeuble. Quand tu vois un petit boîtier avec marqué Free ou SFR ou Bouygues, tu ouvres et tu mets des coups comme ça dedans. Ça marche nickel. Ils prennent cher les Belges dans le Nord. Voilà, je, en plus j'y peux rien moi, c'est pas moi. Hein. Mais c'est sorti tout seul. C'est vraiment pas cool. Les Nordistes s'en prennent facilement aussi, un peu relou parfois. Ah oui, non mais oui. Ça m'énerve ça. Je sais pas d'où ça vient, mais ça m'énerve. Et bon. Comment ça tu vas demain en Bretagne? Et moi alors? J'y vais, je vais tester ceux de l'autre logement avant.
Ah oui, oui. Non mais oui, vaut mieux s'entraîner parce que c'est pas sûr que si tu les trouves. Je me crois qu'il a bugué un moment, ça doit être un moment où l'autre pub est passée. Non, non, non. J'ai mis que la première pub, mais comme tu l'as demandé à 2 minutes d'écart, je peux pas rebalancer de la pub aux gens qui venaient d'en avoir une. Donc, je sais pas si mes parents qui sortaient ça comme ton père est vitrier. Oui, ça, oui, je connais ça aussi. Eh ben oui, Lily, je comprends que tu veux avoir des packs. Moi, j'ai tout. J'ai tout. Oh la vache, le bide. C'est quand l'accouchement? Dans 15h? Ah oui, il y a encore le temps. Hein. Comment il va l'enfant? Il dort? Sinon je l'aurais harcelé un petit peu. Mais elle est tout le temps là, la vieille! Oh, Pauline! Oh, c'est pas possible. Tiens, tu vas passer à la spie, toi. Sérieux? Mais qu'est-ce qu'il allait faire trempette? Déjà, elle peut même pas faire trempette. Non, mais dis donc, ouais, ça suffit, là. Qu'est-ce que c'est, là? Qu'est-ce que tu... Attends. Tu vas faire des photos, toi. Vas-y, viens faire des photos. Parce que là, faut que tu fasses des photos. Tu vas faire des photos. Tu vas en faire plein des photos. Comme ça, je vais blinder mon disque dur. Ça va être magnifique. Allez, toi, tu vas y réparer un petit peu. Attends, tac, tac. Voilà. On va rejoindre. Ah, voilà. Alors, les photos, c'est mieux. Hein. Ce sera plus joli. Il n'y aura pas d'allégorie aujourd'hui. Alors ici, c'est l'allégorie de la nature morte, vous voyez. C'est une petite, c'est un grain de plage avec des poissons, vous voyez. Et ils sont tous comme ça, ils sont alignés les uns contre les autres, ils sont tous colorés, mais c'est surtout que c'est une image en fait. Et comme c'est des images et qu'ils ne sont pas réellement vivants, c'est une allégorie d'une nature qui n'existe pas. Parce que c'est une nature fictive. Et c'est pour ça que la nature, elle est morte. Je suis artiste, moi. Excusez-moi. Ça, c'est joli, ça. Ah ben. Toujours pas de niveau 5 de photographie. Cette position, on dirait moi quand j'ai mal au dos. Ah là là. Alors, attends, parce que je... Il y a maman qui sortait de ma... Ça, je sais. Les 40 à ce baraque, je suis d'accord. De maman et papa qui vont bientôt mourir. Quoi? Quoi? C'est grave beau sous la nuit. Oui. D'où ça vient? D'où vous me voyez? Ça vient d'où vous me voyez? C'est South Park. Ouais, 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 c'est le prof. Vous voyez? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Elle va bombarder cette photo. Alors c'est... c'est encore plus moche d'ici. Le toit, il est grave moche. Ah, regardez. Oh, c'est ce qu'on appelle là le dégradé de l'orange. Vous savez, quand d'un seul coup, le ciel devient orange. Parce que c'est joli. Ah, des photos de maman et papa, vous voyez. D'accord, d'accord. Bah, j'essaye de prendre des trucs pas trop laids, hein. Je veux dire, ça reste joli, c'est la plage, tu vois. Oh, vous voyez. Merde, je le prends pas au bout. Au bon endroit. Je me flue. C'est la fatigue. C'est ça de chasser le bison, hein. Alors Janine, tu vas prendre une photo de tes parents. Prends une photo de maman. Et prendre une photo de papa. Ah puis tu vas les prendre à l'intérieur évidemment, hein. Comme ça c'est encore plus moche. Oh, comment elle est vieille maintenant, Pomme, elle est moche. Bah, là comme ça, là, elle fait toute moche. Alors qu'en jeu, elle fait toute fringante. Il y a un problème. Hein.
On voit bien que sur son visage, c'est pas... Elle est pas ridée, quoi. Hop. Oh, magnifique photo de pomme, hein, évidemment. Incroyable. Magnifique, de toute beauté. Voilà, rien que pour ça, on va la mettre en très très grand dans la maison. Je pense que ce sera son le meilleur portrait. Ah bah ça y est, j'ai réussi. Mais c'est trop nul, mais mon sang. Attendez, je vérifie. Oui, photographie niveau 5. Yes, un premier objectif de terminer. Oh non, son visage reste beau quand même. Oui, mais regardez, en fait, il y a un contraste entre en jeu où elle a absolument aucune ride. Et quand vous regardez la miniature ici, elle fait toute fripée. C'est pas du tout la même Sims. C'est pour moi, c'est pas la même. Tu vas sauvegarder. Ah, en fait, tant que j'y pense, j'ai fait des petites emplettes sur Instant Gaming. Je suis passée par ton lien. Oh, merci beaucoup, Lil Axel. C'est gentil. C'est gentil. J'aimerais vieillir comme ça. Tiens, pas de ride. Ouais. I understand very much. Tu vas écrire, s'entraîner à écrire. Oh là là, ils arrêtent pas de... T'es chiant, Topalina, t'es célibataire, qu'est-ce qui se passe? Ton mec, il est mort? Conjoint aucun, ah oui. Oui, c'est ça, il est mort. C'est pour ça qu'elle passe son temps ici. Elle se fait chier. Et lui, il en peut plus. Puis après, il va devoir aller aux toilettes. Tiens, tu peux marcher dessus. Mais il est sage, hein, Snow. Hein. Je pense que c'est du coup, comme il est un petit peu. Ah, d'accord. Eh bah, bien sûr. Eh bah, bien sûr. Au moment où je dis ça, quoi. Au moment où je dis ça. Mais qui c'est qui se sert des verres, là? Oh! T'as beau pas mettre des vieilles, il continue quand même à te casser les pieds, quoi. J'ai bu quasiment tout mon verre. Quelle honte. Le congèle, à la limite, le môme. Oh, bah, écoute, il faut qu'il nous serve, je crois. Tu. Ah oui, j'ai reçu des textos. Je les ai pas. Oh, wow. Pardon. Je suis là. Je suis à vous. Toujours quand on parle sous l'autre. Ça va, c'est pas du thé rosé ce soir. Non. Je prépare mon foie. Je le détoxe. Oh, vendredi, yeah, c'est la grosse bouffe. Hein. Qui sera là vendredi pour le nouvel an, le réveillon? Qui sera là pour péter le nouvel an? Le chouchoubite géant de la France. De la France, toi dégage. Va toucher ton cul. Qui sera là avec moi? Qui sera là? Qui sera là, là, là? Salut Tandori, comment tu vas? Yeah, Rubik's Cube. Oh, Martialux, il va nous tromper. Merci Kiki Sims. Ah ben, Marine, Zou, touche à ton cul. Je
c'est entre la vie et la mort. Ah là là, on va te faire vivre, tu vas voir. Ah cool, il y a Axel aussi. Oui, Tandori, je sais pas encore, mais c'est possible. Mais oui, viens dès. Pas là, mais je passerai. Hop, zou, partez tout de suite. Moi, je suis à Paris, peut-être à Disney. Le pire truc. Je rigole. Yes, je serai là, mais pas au début, 22h. Bah, pas de soucis, c'est pas grave. On devait s'achever à coup de... Je le dis plus. Bon, bah ça va, je ne serai pas toute seule vendredi, alors. Préparez vos chansons, hein. On fera pas de thème, je pense qu'on va rester sur un truc classique. Préparez des chansons qui bougent, quand même, qui font que... On a envie de bouger son gros cul tout graisseux. Ah non, je parle pour moi, c'est vrai, excusez-moi. Tout le monde n'a pas un cul aussi graisseux que le mien. C'est bien mieux pour vous. Ah, c'est encore Opaline. Oh non, c'est Nila. Oh, ça va, c'est Nila. Alors, on l'a pas la laissé rentrer, Nila. Nila est là. Nila. Nila. Elle est... Et où est-ce qu'elle est, Nila? Bah, elle est Nila. Nila. Non, j'ai pas honte. Et samedi, tu l'as... Je sais pas. Je sais pas si samedi je live, je... Peut-être. Peut-être si... Sur Medieval Dynasty. Ah, ça vous fait rire, hein. Hein, heureusement que je suis là quand même, sinon vous vous emmerderez. Hein. Ça va, Nila? T'as combien d'enfants, Nila? Zéro. Elle a pas d'enfants? C'est avec... Ah, on l'avait mis avec le rouquin. Ils ont de ces looks. On l'a pas marié avec le rouquin. C'est ça le problème. Du coup, elle a pas de gosse. C'est toi la grande sœur, hein? Bah ouais, mais non. Bah, oh la vache, il y en a, ils font peur. Oh, oh là là. Oh là là. Oh, Robin. Que de mal, que de mal. Que de mal. Ma pauvre, je te croyais en couple. Papy est parti se coucher déjà. Tu la connais? Oui. Oh. Ah, tu vas pas te coucher, meuf? Tu t'es encore... Ah, pourquoi d'un seul coup ça va pas? T'as des nausées matinales à le soir, toi. À 21h25, elle a des nausées matinales. Mais bien sûr, on a tout compris. Je dirais si j'ai vu le décompte. Oh là là. Gros bidou de Céleste. Ah oui, hein. Gros, 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 hein. Et gros nichon aussi, hein. Ah, et son mari, ils savent pas faire des bébés. Non, mais est-ce qu'en fait, elle n'est pas mariée, donc je peux pas déclencher une grossesse. Il faut que je sélectionne un mâle qui est pas trop loin du monde, en gros. Mais ce qui est mieux, c'est j'aurais dû les marier, mais des fois, ça marche pas. En fait, même si je la marie maintenant, avec le MCC, je peux pas ajouter un mari, je crois. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je code de triche. Jouer ce foyer. C'est...
Je sais plus. C'est un... Il y a tellement de choses. Save commande. C'est contre tenu un comportement dégoûtant, étaler sa richesse, préférence ustensile. Non, bon sang, je m'en fiche, moi. Ah bah c'est relation, je suis bête. Relation, supprimer toutes les relations, paramètres de stade de relation active. Amoureuse en cours. Âme sœur. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Gaba, gaba, pomeregwas, confulibo, waga fruit. Qu'est-ce que j'ai fait? Warba. J'ai rendu les sœurs amoureuses. Mais je pensais que ça allait... Oh purée! Mais non! Mais c'est pas ça que je voulais faire! Mais je savais même pas que c'était possible! Il est là son mec! Pourquoi là je le vois? Ah! Mais non, mais j'ai rendu les sœurs amoureuses quoi! Non, mais c'est n'importe quoi! On n'est pas chez les Lannister ici! Ah! Ah! Rubik's Cube! Tu vas te prendre un fouet. Tu me la fous dehors, s'il te plaît, Martial. Je sais pas où la mettre. Oh, oh non, 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 non. Voilà, on est amis. Hein. Aïe, 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 ça marche pas. Oui. Ah. Blah. Blah. Bah c'est bon, c'était pour notre génération bleue. Elle a trompé son mec avec sa sœur, ça marche ou pas? Please. Please kill me now. Oh non, mais qu'est-ce que c'est sale! Et voilà, elle a trouvé son mari! Quel enfoiré! Ah non, mais c'est quoi ce mode? Je savais pas qu'on pouvait faire ça! Bah vous saurez maintenant si vous avez envie de créer des histoires d'inceste! Ah! Dégueulasse! Comment on fait pour que l'enfant d'un parent se marie et ont des enfants? Pas sûr d'avoir compris ta question, Lily. Bah, tu joues avec l'enfant. Je sais pas. Tu vois? Elle... Ah oui, la pâtisserie, c'est génial. Allez. Elle dort, là, déjà. Mais elle, c'est la fille de ces deux-là. De la vieille, là, et du vieux, ici. Bah, maintenant, j'ai joué avec elle. Elle est mariée. Avec le petit rouquin qui est dans son lit, là. Et ils ont fait des bébés. Parce qu'il y en a un là. Voilà. C'est comme ça. Mais tromper son mari avec sa sœur, c'est un peu glauque. Me tromper avec ta grande sœur, mais c'est un peu glauque. Ouais, ça peut le faire. Comme chanson. Elle nous a fait du pain, l'autre, là. Oh là là. Mais vieux, et ils ont toujours besoin d'aller aux chiottes en même temps. Ça, c'est un couple fusionnel ou ça l'est pas, hein. Elle passe à spi. Oh, si je les gère pas, ils font n'importe quoi. L'autre, il est dans le four, ouais.
Il est encore dans le four pour l'instant. Eh ben, il va bientôt sortir, non? Non, même pas. On est même pas dans le troisième trimestre. Allez, accélère, Charlie. Faut que ça en foutre. Ah, pour les PNJ, les Sims que tu ne joues pas, en fait. Ça, faut le MCC. Ouais, tu vas te lever. Parce que il faut que tu le harcèles. La 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 la. Ah, niveau 5, c'est bien. 5 niveaux pour un bébé. Le deuxième. Ah, mais elle a refaim. Oh, la fin de pomme est proche. Pom pom moisi, pom pom va crever. Pom 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 va crever. Pom pom va s'en aller. Elle va même pas connaître son deuxième petit enfant. Si. C'est assez rare d'ailleurs quand ils connaissent. Ah. Oh, Jess est décédé. Notre ami Jess Lover est décédé. Il est mouru sans il est parti mourir sans dire mot. Ce petit blondinet aux yeux bleus et aux boucles blondes. C'est celui-là même qui voulait absolument séduire Agnès la Dentelle. Il est parti. On a un ours qui nous attend. Ouais. Mais lui, nous on l'attend pas, par exemple. Ah là là. Oh, le machin qui arrête pas de gesticuler. C'est ça que tu voulais, saloterie. Hein. Mais elle a re la dalle, mais elle va exploser. Allez, va te coucher. Va faire crac-crac avec Vlad. Vlad l'empaleur qui va t'empaler dans le lit. Encore ! Oh ! On t'attend. Hein. Ça te collera aux fesses, c'est pas grave. On pourrait l'appeler le pomme pourrie, c'est ça. Pomme demi-verte et pomme pourrie, elle a fini en congèle. Non, elle a fini en... comment ça s'appelle? En engrais. Elle va finir en engrais. Ah bah va te laver, ce que tu veux. Ah, le Hulk. Le Hulk est mort. Le Hulk est mort. Longue vie au Hulk. Tu vas faire à manger. Un truc qui a rien à voir, tu sais. Et lui là, le vieux là. Oh, bah qu'est-ce que je fais là, moi? Allez, moins de 24 heures pour bébé 2. Oh, le bordel sur la table. Ils vont prendre tous les espaces dispo. Te tue pas non plus à la tâche, pomme, hein, parce que bon. Magnifique, ce travail d'orfèvre que vous avez fait, les Sims. Ah, elle aura bossé jusqu'au bout de sa vie, la pauvre pomme. Bah, elle va pisser, hein, Jacqueline. Vire ta mère, c'est pas grave. Ouais, dis donc, bien dis donc, bah dis donc. C'est pas possible, mais vous avez un problème avec les ordures? Et je lui ai mis dans son inventaire, j'en suis sûre. Non, ça va.
Ce bide, la vache. Même moi, quand j'ai bien mangé, c'est pas autant. Cuisine, éducation, hein. Il est réveillé? Oui, eh ben, tu vas aller l'harceler un petit peu. Hein? Tu vas aller l'harceler un petit peu. Allez. Ouais, ouais. Bon, écoutez, tant qu'à faire, hein, on avance un peu. Hein. T'aimais bien le Hulk, bah oui. En compote et en compost. Il devrait pas grandir le bébé. Si. Si, si. Grandira de lui-même. Il y a déjà le lit pour l'accueillir. Hein. J'ai déjà fait pour le stade Bamba. Mais on te connaît pas, madame! Vas-y, continue l'œuvre d'art, là. Peut-être que ce sera joli. Oh! Mais tais-toi, sale gosse! Tu me les brises? Non, papa. Toi, il y a que ta semence qui a servi. Tu peux aller nager. Voilà, tu peux nager, si tu veux. Oh non, il a des plaques! Bon, il a perdu de son muscle. Hein. Ça lui fera pas de mal d'aller nager un petit peu. Qu'est-ce que c'est, Nila? Oui, si tu veux. Allez, mais change la couche. Pauvre gosse. Qu'est-ce qu'il a? Oh, loup. Dommage d'être millionnaire, de ne pas en profiter. Pour... Oui. Après, on y tient notre million. Si ça passe en dessous, on va l'impression d'être pauvre. Nous arrivons cette nuit, on va te réveiller aussi. Des boucles pour 4. Un petit peu, ouais. On sait plus où c'est la limite entre les seins et le ventre. Non, ça c'est pour moi. Elle est où, elle chante à côté. Elle va pas bien, cette pomme, hein, je vous jure. Elle est sénile. Et lui neige. Encore ? Ah, niveau 2 de fitness. Ah bah dis donc, c'était pas... Ah oui, la journée de nouvelles compétences, effectivement. Elle va bien nager. On va nager. Une toile sur noyer, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Les visages. Hey. La première cime de notre sauberie, elle a aussi de gros boobs. C'est vrai. Je sais pas si on va les voir sur son portrait. Ouah, ça va. Ça va, elle était pas si boobsy que ça, hein. Un petit peu. Ça va. Bon, après, il n'y a plus eu trop de boobs, là. Après, c'était... Ça va. Ça va. Il y en a eu de trop, des mecs. Eh, mais regardez, on en a eu 3 d'affilée, des gars, quoi, au bout d'un moment. Ah, vous voyez pas. Là. On a eu 2, puis après on a eu 3. C'est comme eux-mêmes, hein. Ça faisait longtemps. Fallait bien qu'ils sortent. Hein. Elle est partie se coucher. Bah, tu me détournes. Dors, et les vieux, ils vont aller faire du bénévolat. Bah, ils vont tous aller faire du bénévolat. Allez, à la soupe populaire. À la soupe populaire. Allez, ça pleut comme d'hab. Grosse paire de boules après. Oh là 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 là. S'il faut pas entendre. Oui, ils se prennent de passion pour faire du bénévolat, hein, dans la famille, vous avez remarqué.
Qu'est-ce qui se passe? Mais non, on n'a pas le temps. Oh là là. Le bénévolat, c'est amusant. Je suis morte de rire. Quand est-ce que tu vas t'occuper de ce tout lapin là? Allez. Mais non, mais on va avoir des... Il y a un problème avec les ordures, hein, c'est pas possible. Je sais que j'ai toujours eu des soucis d'ordures, mais quand même. Non, je l'ai encore dit, ça va pas du tout cette histoire. Ah, mais elle a déjà fini de manger. Ah là là, bientôt le bébé qui va arriver. Ah, ça s'est gâté. Tu vas me faire encore à manger. Servir le dîner. Ah! Oh punaise, c'est un rouquin. Il y a petit bébou qui a grandi, Snow. Snow, il a grandi, il a sorti de son chapeau. Heureusement, parce que dans quelques heures, il y a petite sœur Carrie. Eh ben, il a les yeux de papa et les cheveux de papa. Donc, il aura la tête de maman. Ou pas, on sait pas. Enfin, j'aime pas du tout sa coupe de cheveux, mais bon. C'est Snow, mais Snow de... C'est, ouais, ça me fait penser à Game of Thrones, évidemment, quand on dit Snow, Jon Snow. Là, c'est plus le fils d'Ygritte. Hein. Ygritte qui est donc Kiss by Fire, hein, embrassé par le feu au niveau des cheveux. Oh, c'est un garçon. Hein. Voilà. Il y en a eu des plus mignons. 1, 2, 3, il sera curieux. Quel look, mon petit! Avec ton t-shirt voiture de pompier et ton pareo. Magnifique. Ah, écoute, qu'est-ce que c'est qui est cassé? Les toilettes. Et ben voilà! Niveau 10 en cuisine! Perfect! Oh, les vieux, ils n'arrêtent plus. Ils ne s'arrêtent plus. Bon alors, dans son aspiration, va falloir maintenant qu'elle discipline son bambin enfant ou adolescent 5 fois. Facile. Pour l'instant, c'est facile. Et bonne nuit, Guillaume. Il est pas ouf, ce gosse. Pas terrible, le petit. Oh là là! Allez, ça a commencé. Éducation. Ah, je peux pas le gronder. Oh, c'est pas drôle. Tu peux l'apaiser. Qu'est-ce qu'il a avec papy qui veut niquer son gamin là, le petit-fils? C'est dégueulasse. Non? Tu peux faire une demande spéciale? À propos de quoi? Ah, oh, j'aime pas les vieux quand ils font ça dans les Sims. Je trouve ça tellement glauque. Bon, il y a encore un mouton quelque part là. Ça m'agace. Il est où le mouton? Il est là. Dégage-le. Oh, il fait un câlin à son petit garçon. Mais comment elle est énorme! Elle est énorme. Tu vas manger, petit chacha? Petit minou? Petit chatou minou? Et après, tu vas aider pour le pot. Bah, maman, hein, écoute. Elle s'appelle Corrèze, mon dieu. Il va falloir changer ça. Oh, qu'est-ce que c'est dégueulasse! Tiens, viens nettoyer. Le préposé au ménage. Je réclame un bouton, quand même. Un bouton? Comment ça, un bouton? Ils avaient pas de femme de ménage, c'est le week-end. Elle vient pas. Il a l'air vachement potelé, ce gamin. Pour moi, il est très potelé. Pourquoi t'es triste, toi? Père un ami? Ouais, pleure, tu pisseras moins. Qui c'est qu'il a perdu?
Il a perdu le Hulk, genre ils étaient potes et tout. Ah bah... Ouais. Bah, tu le connais à peine. Hein. Que ça va être quand tu vas perdre quelqu'un que tu connais. Hein. Qu'est-ce qu'il veut le gosse? Oh, mon dieu, mais... Regardez cette taille de bide. Ah, oh la vache. Attendez, est-ce que... Magnifique miniature, n'est-ce pas, que je vais faire comme ça. Quel enfer. Ce contre-plongée entre les boobs et le bide. Oh là, oh là là. Oh oui. On ne voit plus sa tête. Ah, c'est... Moi, c'est la même chose, mais c'est pas parce que j'ai un bébé. Voyez. Là, c'est plus être enceinte, ça, c'est... Ah, j'aurais peur de vexer des gens, donc je vais me taire, mais... Disons que son petit pantalon, il est très extensible, hein. La vache. Ouais, mais c'est bide. Le gosse, c'est autant de bide. Oh. Oh, il est un petit peu grassouillé, quoi. Il est un petit peu graisseux du cul. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai laissé faire ça. En plus, tu fais des trucs moches. Eh, va éduquer ton gosse, là. Il faut qu'il apprenne à pipi. Parce qu'après, t'auras plus le temps avec le prochain qui arrive, là. Surtout que le prochain arrive dans moins de 8 heures. Vous avez des prénoms de prêt? Vous avez des beaux petits prénoms. Blanc. La couleur, c'est blanc. Salut, Alizias, comment tu vas? C'est un œuf de Pâques. Pour une fille, je l'ai déjà. Mon ventre n'était pas aussi gros et j'attendais des jumeaux. Ah oui, putain, des avaches, toi. Toi, t'as pas de bol, toi. On va se pisser dessus. Pomme, elle profite de la vie, hein. Elle arrête pas de faire de la gym. Voilà. Profite, elle se dit, ouais, après, je serai à l'état de fantôme, donc tant que j'ai des abdos, je les travaille. Elle a bien raison. Je devrais le faire plus souvent. Enfin, moi, j'ai pas d'abdos, hein, parce que j'ai été conçue sans abdos. Je ne suis constituée que de gras et d'os. Je n'ai aucun muscle. Ah, Daenerys, sérieux? Vous voulez Daenerys pour une fille? En ce cas, on aurait dû l'appeler Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Et là, je pourrais refaire avec le MCC, ils pourront faire crac-crac. Mais d'où t'es mouillé en fait? Tu t'es pris tu t'es fait asperger de où? D'accord. D'accord. Eh, va dormir, toi aussi. Tout le monde va dormir et puis demain matin, c'est bébé. Bébou, bébou. Par ici. Non, tu vas pas faire de conneries, toi. Je te le dis tout de suite, tu vas dormir. Il a commencé. Oh, la saleté. Lui, je vais le laisser sous l'orage, là, parce qu'on a que ça, aujourd'hui. Hein. Que de l'orage. Quel plaisir. On va enregistrer. On reste dans le thème. Sinon, il y a plume. Ah, c'est mignon. Pour blanc, t'as Albus. Non, ça fait trop Harry Potter. Bianca, Alban. Alban? Ah, non, il a fait un... Fais une sieste. Ah. Toujours tiré du lit, hein, pour pisser celui-là.
Ça va bien se passer, va ma petite. Oui, t'inquiète, à 7h du matin, à 6h30, je te réveille, tu pourras aller pisser. Tu laisses ton père tranquille. Si tu veux, tu joues et tu vas te coucher. C'est pas possible, ça. Ah, tu seras bientôt réveillé par les cris de bébé, mais ça, c'est pas grave. Allez! Ah non, mais sors du lit, toi! Du lit, de la baignoire! Femme enceinte, pipi! Le pipi pré-accouchement, on est prêt! Mais viens là! Ah! Elle s'est barrée aussi sec, la truc là. C'est quoi ce délire là? Allez, un petit bébou. Un petit bébou blanc. C'est parti, c'est maintenant. Oh, on est au taquet, nous. Nous, on veut des bébés. Hein. Le YouTube Game, il veut que des bébés. Hein. Prédiction? Mais oui, prédiction. Je viens d'y penser. Viserys pour un garçon, frère de Daenerys. Ce moignon, tu n'étais pas obligé de préciser pour moi, en tout cas, je sais. Est-ce que Monsieur Martialoux est dans la salle? Ou est-ce qu'il fait caca? Est-ce qu'il est en train de faire caca? Oh, la tête. Oh, ça a l'air de faire mal, là. Par là où ça passe, c'est pas très agréable, elle a dit, là. Oh la gueule. Miniature. Bon, il est pas là. Hop. Hop. Trop tard, je vois plus. Recommencer la prédiction. Alors, je vais mettre les garçons bleus, hein, le typique, comme ça, nous on est genré, hein, on fait des genrages, comme ça personne se trompe. Et puis la fille, en rose. Attention, c'est parti pour une minute. Vous pouvez donc voter, balancer vos points les plus incroyables, les plus intimes, dans cette prédiction de l'impossible. Dernier enfant de notre Sobéry, c'est maintenant. L'accouchement des Sims, c'est quand même top. La souffrance en une image. Vu la taille, ça doit faire mal ou ça passe? Ça passe. Mais ça passe pas, c'est magique. Elle tourne et puis elle est plus enceinte. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Après, tu adoptes. Ah putain, j'avais oublié qu'il y avait ça. Oh l'enfer. Oh non, je veux pas adopter. C'est nul, les enfants adoptés. Enfin, dans le jeu. Il vous reste quelques secondes, n'hésitez pas, balancez vos points. Oh la vache, il y en a, ils se sont lâchés. 100 000 points. Oh là 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 là. Et c'est déjà fini pour la prédit du jour. Heureusement que j'en parle apparemment. Oh, j'avais complètement oublié. Oh, c'est pas grave, tu sais, tu peux l'adopter encore jusqu'à... J'ai eu un accouchement sans péridurale et j'avais pas cette tête. Adopte direct et hop, c'est fini. Ouais, enfin, il reste toutes les autres trucs à faire quand même. Alors, bah dis donc. Donc, vous êtes 16% à avoir voté un garçon et 84% avoir voté une fille. 21 000 points pour le garçon, le plus vous êtes 8. Et le plus gros pari, c'est 10 000 points. Et c'est Titi Chris, cucu à toi. Pour les filles, 84%. 110 000 points ont été balancés. Vous êtes 9 avoir voté, et le plus gros pari, c'est 50 000 moins, et c'est Kiki Sims. Évidemment, tu as encore beaucoup de points, après ce que je vois. On est prêt ou pas? Oh, le petit grain de poussière qui passe devant la tronche. Il est magnifique, celui-là. Il est magnifique. Oh, la vache. Allez. Oh. Oh. 3, 2, 1. C'est une fille!
C'était une nuit de c'était une fille. Ah, magnifique. On a déjà notre héritière pour la suite d'une autre Sauberie, si un jour il a lieu, dans quelques années. Alors, choisir la réponse, c'est évidemment une fille. Oh là 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 là, magnifique. Après, j'ai déjà eu une Daenerys dans les Sims. J'en ai même déjà eu plusieurs. J'en ai eu. Je crois que j'en ai eu au moins 4. Je crois qu'elle s'appelait Daenerys, c'était une Sims que j'avais fait avec son frère. Son frère, il couchait avec toutes les meufs de toute la map. Et il avait que des par jumeaux. Il avait que eu 2 jumeaux. C'était terrible. Et elle avait réussi à quand même avoir juste une relation avec un mec. Elle avait eu un garçon qui s'appelait Rego, hein, bizarrement. Et elle n'était pas restée avec lui. Ensuite, il y a eu Daenerys, fondatrice de mon legacy que j'avais fait à part perso avant que je commence ma chaîne. Et j'avais fait les noms de Game of Thrones / Seigneur des Anneaux, si je n'avais pas le prénom, en faisant de A à Z, donc alphabétisation. Donc il y avait Daenerys, première du nom, la faux matriarche, et quand je suis arrivée à D, j'ai une fille, donc elle s'est appelée Daenerys 2. Puis je crois que dans la place du marché, j'ai appelé une de mes filles Daenerys. Que je mettais près du feu parce qu'elle était une Targaryen. Donc ça m'en fait quand même 4. Ça fait un petit peu beaucoup, mais on peut partir sur la 5e, c'est pas grave. Ah oui, dans le Hunger Games. Ah ouais, mais bon, ça c'était vraiment spécifique au... Enfin, je pouvais pas l'appeler autrement, donc effectivement. Ça fait beaucoup quand même de Daenerys, non? Pourtant, c'est pas compliqué, Mozzarella. Ah ouais, on peut rappeler Mozza, hein. C'est un peu bizarre. On s'en fout, à vrai, non? Morue. Oh, espèce de vieille morue. Apalite, c'est une pierre blanche. On jouera pas avec. Oh, vas-y, mozzarella. J'aime bien. C'est bon, la mozzarella. Mais pourquoi ça écrit pas? Merde, je l'écris dans le chat. Mozzarella. Bounty, elle est des îles. Ah, c'est des canards de coco. Mozzarella? Snow et mozzarella, c'est très bien, c'est en accord total. Hein. C'est vrai que Daenerys, ça aurait été pas mal, mais... Non, mais Bounty, c'est au chocolat. Et hein, c'est à l'intérieur qu'elle est que c'est blanc, c'est... Sable, ben, c'est jaune. C'est joli, sable. Non, mozzarella, c'est bien. Prédit ou pas pour jumeaux ou pas? C'est vous qui dites. J'aime le fromage, mais quand même, bah oui, si, c'est bien, mozzarella. On l'appellera mozza. Mignon. Bah oui, on l'appellera mozza. Ghost. Bah, pour un garçon, ghost, ça aurait été bien. Malibu Coco. Galaquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Petite prédiction a été lancée, les enfants, si vous voulez faire un jumal ou pas. Alors, pour les jumeaux, vous avez voté. Vous avez mis oui à 23%, non à 77%. Pour les oui, vous avez balancé 32 000 points. Vous êtes 8. Et le plus gros pari, c'est 19 000 points. Et c'est Marine. Marine, je reconnais là ton... Hein? Voilà. Toi aussi, tu sais. Et pour les non, 110 000 points ont été joués. Vous êtes 9. Et le plus gros pari, c'est 60 000 points. Et c'est qui Sims? Mon petit doudou. Oui. Après, tu as un type de choc avec Titi Coin Coin et Jamie. Ouais. Bah, Doudou, il était calme. Hein. Il restait souvent là, derrière. Et il bougeait pas trop. Hein. Et c'était... Il était... Ah, il a une époque aussi. Il courait partout. Hein. Mais bon, vous l'avez pas connu, cette époque-là. J'ai rebalancé ce que j'ai gagné. Ça va. Le suspense. Le suspense aura trop bien duré.
Oui, il faut que je clique, je sais. Allez, de toute façon, moi, j'ai pas besoin de voir, je sais, au son, on le sait, si ça s'arrête. S'il n'y a pas de son, c'est qu'il y a jumeaux. Si tu entends les... Tu entends le jeu, c'est bon, c'est que c'est Naka. 3. 3 et demi. 4. 2. 0, 5. Oh putain. Putain. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Des jumelles. C'est génial, la vie. Qu'est-ce qu'on aime, la vie. Feta. Après mozzarella. Qui a du fromage, hein? Du fromage blanc? Bah tout du fromage blanc. T'as plus de points, je suis désolée. C'est parce que j'ai dit que je perds jamais, fallait que je me taise. Voilà, Kiki Sims, exactement. C'était ça avec le beat qu'elle a fait. Appelle-la comme tu veux. Alors, comme tu veux. Je suis ce que mon modo, mon modal me dit. Parce que c'est lui le gourou. Triplé, un 3, non mais ça n'arrivera pas les enfants. Jamais ça n'arrivera, un 3-3-3. Fjord. Mais j'aime bien Feta, c'est rigolo. Feta Rainbow. Il y avait Burrata tout à l'heure. Ouais mais Burrata c'est un petit peu moins... Tu sais, mozzarella c'est mignon, ça peut faire mozza. Et Feta, ça passe quoi. Bouffe là, bouffe-moi là. Reblochon, mais bien sûr. Oh ouais, la tome de Savoie. La tome de brebis de Corse aussi. Ah, papa. Jackpot pour toi, Marine. Ah bah ouais, t'as gagné combien de points là? Plus 83 000. Oh la vache. C'était malade. Marvoile, oh. J'ai pas eu qu'elle pue, ma Sims. Non, Feta, c'est mignon. Viens, j'ai du gruyère suisse en rhum. Tartiflette. Oh là là, et ça sort tous les noms de fromage. Hein. Alors là, Jamie? Non. Mais il est réveillé, il va faire des conneries. Jamie, viens ici. Bah oui, mais il n'y a pas de follow, donc il n'y a pas de croquettes. Hein. Tu crois quoi? Tu vas bouffer aujourd'hui? Bah tu boufferas pas, il n'y a personne qui follow. Il croit quoi, lui? Il croit que c'est Noël. C'est pas c'est Noël, hein, c'est fini. Moi, je suis passée de 6000 à 15000. Oh, putain. Valide. On fait pas de prédit. 3. Je suis bien sur le... 3. 2. 1. Et demi. 3 quarts. 2. 8. 45. Non, c'est bon, c'en est deux. Nibou. Ah bah t'as l'air ravi, dis donc. Aïe, 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 ils l'ont mis où Ah oui. Oh là là. Tant d'amour. Tant d'amour, tant de cris. Bon vivement qui crève les vieux, là on a besoin de place. On a deux gosses en plus. Bah quand Pomme elle sera morte, on mettra le vieux dans la flotte, hein, il dormira dans le salon, sur la terrasse. On s'en fout, hein. On s'en fiche. C'était pour lui notre héritier. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu peux l'engueuler celui-là? Éducation. Non. Sans donner au moment. Oh là là, bon j'ai deux filles, c'est déjà ça. Eh oui, on va en adopter un encore. Hein. C'est plus casser la voix mais les oreilles. Ah oui, là, pour l'éducation ça va être facile. Pas de bol. Je me console en me disant que tu vas rager. Non, non. Tu vas pas adopter maintenant histoire d'avoir tous les enfants en même temps? Bah oui, oui. Mais ça veut pas dire que je peux adopter à l'âge que je veux, hein. On peut adopter en enfant déjà.
mon clash supérieur et je suis tranquille. C'est le poumon comme c'est le poumon comme fait d'une autre Sobéry. Ah, c'est le pompon. Le poumon. Le poumon. Bon, bah voilà. Et t'es contente avec tes grosses loches là? Aïe. Puis connaissant tes abonnés, ça sera pas un enfant. On va regarder. On va regarder ce qu'on peut adopter. Élusie. Mon dieu, mais quoi? Mais t'as largué les gosses? Ils sont où? Bah oui, t'as plus de ventre. Oh, tu vas travailler à la maison, hein. Faut que tu t'occupes de tes chiens. Lui, il est parti. Ah non. Il s'est dit, c'est quoi tous ces gosses? Moi, je me casse. J'ai pas signé pour... je suis pas venue pour souffrir, ok? Bah, Lout, elle est cassée, hein. Lout, elle est cassée, elle peur pas. Tire à la... Une coquille d'oursin. D'accord, t'es en train de faire quoi toi en fait? Lui il va clamser. Bon, comme ça on aura pas besoin de le tromper. Tu vas te calmer parce que j'ai pas envie que tu... Tu peux clamser mais une fois après qu'on t'ait trompé, sinon ça marche pas. Quand même. Fais taille, mozzarella. Bah, ça nous était pas arrivé depuis quand, les jumeaux dans le notso? Attendez. Attendez. Donc, elles étaient pas jumelles. Là, il n'y a pas eu de jumeaux non plus. Toya. Non. Ah, depuis Chamallow. Chamallow et sa sœur, mais à la base, ils étaient pas jumeaux. Copper. Copper, il n'y a pas eu de jumeaux. Lila, elle était jumelle avec sa sœur Lavande. Nuage n'était pas jumelle. Pulco, bah, il était enfant unique. Et Bordeaux non plus. J'en ai pas eu beaucoup, hein. Et j'ai eu très peu de jumeaux sur notre Sobéry, en vrai. Ce qui est assez... Contrairement au Legacy, où j'en ai eu sur 10 générations, j'en ai eu 7. 7 fois des jumeaux, donc... Dire qu'à une époque, j'en avais jamais. Et je pense que mon jeu, il était pété. Mais qu'est-ce que... Foutez quoi là, tête dans l'eau comme ça, meuf? Qu'est-ce qu'il a lui? Il a fait un cauchemar, il va aller hurler. Et j'ai faim! Maman! Viens ici. Tais-toi. Qui c'est? Oh purée, mais elle est pas claquée encore, la vieille, là. Je suis horrible. Elle aussi, elle est pétée. Tout qui est pété. Il y a tout qui est pété, ici. Mais pourquoi tu... Mais pourquoi tu vas pas bosser, en fait, Jacqueline? T'es en retard? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a? Ce n'est pas comme ça d'habitude, tout semble un peu sale. Bambin qui pleure. T'aimes pas les gosses, toi? Non, c'est pas... Bah... Ouais. Ok. Oh, c'est dégueulasse. Roll, hé.
Eh, hey, Boob, dis donc. Ça a l'air d'être un petit gros, hein. Il va nous la faire à la... à la Toya, hein, celui-là, je vous le dis, moi. Tu fais bien l'enfant. Je savais déjà que j'étais pétée. Je fais bien l'enfant, parce que quand je suis chez ma mère, je fais exactement ça. J'y vais! Que je fais ça, elle m'en fout une. Oh non! Ah non, c'est elle là-bas. C'est la chieuse. C'est la chieuse, c'est fétal le caca. Et lui, il sert à rien. Il sait pas ce qu'il fait dans sa vie. Va pisser, passe la spie. Et toi? Mais toi, tu fais quoi? Rencontrer son nouveau frère ou sa nouvelle sœur. Bah t'en as deux des sœurs en plus. En fait c'est pour rattraper le fait que tu sois un garçon, hein. Le jeu il a dit bon finalement on va lui donner deux filles. Histoire de troller jusqu'au bout. J'ai oublié que les bébés étaient noirs. Je fais même plus attention maintenant. C'est tellement n'importe quoi ce jeu que t'oublies que les bébés sont noirs alors que les parents en sont blancs. Et que ça a toujours pas été fixé depuis... Ça fait un moment, hein, ce bug. Ça fait un super moment, hein. Alors, elle doit faire quoi? Parler à un vendeur du stand de nourriture, marcher des épices, faire un graffiti pendant 2 heures. Super. Là, c'est une street art, c'est pas un graffiti. C'est quoi un graffiti? Ah, mais c'est... Excusez-moi, j'ai dû faire la mère. J'ai dû aller engueuler Jamie, comme d'habitude. Bon, ils sont réveillés, hein, donc ça va être la foire. Oh, il y a 2 heures passées. Wouhou. Oh là là, mon Dieu, je devrais arrêter ce live là, c'est pas possible. Non, ça, c'est dit, c'est ça. C'est bien ça. Parce que c'est le démonstratif. Ceci, cela, ça. On paye les factures. Alors, tu vas faire graffiti. Qu'est-ce qu'il y a? Fais ton graphe. Oh, quelle conne. Mais quel con. Qui c'est qui... Vas-y, on répond pas. On n'a pas que ça à faire. On va regarder son œuvre. J'ai perdu la tête, fais pas attention. Ah ouais, ça fait loin. Il me semble que c'est apparu dans l'ordre des Lady, j'étais à la génération artisan. Je crois, si je dis pas de bêtises. Mais qu'est-ce qu'elle est bête. Ah, ça suit. Mais c'est quoi ce harcèlement là? Ah, c'est bon. Oula. Augmentation pour Pomme. Vous n'étiez pas là. Non, non, on n'était pas là. Mais arrête. Mais qu'est-ce qu'elle est chiante, la Vioc. Parler à un vendeur de stand de nourriture au marché des épices. Marché des épices. Allez, on y va. Oh, le gamin, il est en train de dormir par terre. Marché des épices, c'est bien ici. On va aller là. Ce serait bien qu'elle croise le beau mec, là. Pas 2 ans. 1 an, car il y a 2 ans, j'y jouais pas. J'avais pas ce bug. Je dis peut-être une connerie, car je jouais sur l'édition classique. Je sais pas du tout. Et c'est toujours pas réglé, quand même. C'est un petit peu abusé, quoi.
Tyrion ? Non, il est pas là. Ah si, il est là. Parce que quand je fais ça, c'est je communique avec lui quand je fais le coin-coin. Lui comprend le coin-coin aussi. Il répond, hein. Il entend le coin-coin de maman, il répond en coin-coin tant. Faut que je lui parle. Ma présentation amusante. C'est trop sexy, madame. Vous êtes belle. Ouais, voyons. Et dump it on the ground. Tiens, tu vas faire du sport. Tous azimuts. Je te jure, s'il y a le beau mec, on le canne. La vie est trop chère. Libérez nos cochons. Libérez nos cochons. Non. Nos cochons tirelire, évidemment. T'es grasse, ma cocotte. Hein. Dirais-moi. Mais avec moins de ventre. Au début, il n'y a pas ce bug. Je confirme. Ah non, mais il y a... Oui, non, il n'y a pas ça. Ils ont dû dire, bah, de toute façon, les bébés, ils jouent pas avec, alors bon, c'est ça. David Goudenov. Évidemment. C'est trèfle. Oui, Vlad l'empaleur. Ah, c'est suffit les notifs qui disparaissent là. A été promu traiteur et gagné réservé 10 influences de plus par heure, soit 26 influences de l'euro total. A également reçu au bonus 368 influences de la machine à café automatique, acier inoxydable. Sa prochaine journée de travail commence à jeudi à 15h. Où il travaille le week-end. Comme c'est dommage. Comme c'est dommage. Bon, elle trouve pas le mec là? Qu'est-ce que c'est, cette musique encore? D'avoir mon cœur. Tu viens? Tu viens? Petit. Si vous l'appelez fort, il viendra peut-être. Hein. Bon. Il se fait quelle heure? 18h30, ça va. Oula! Madame, on a dit tenue correcte exigée, c'est pas parce qu'on voulait juste que vous ayez des gants et des chaussures et des boucles d'oreilles, hein. Oh bah lui il est... Attendez, mais c'est quoi ses cheveux? Qu'est-ce que c'est ça? Toi, tu viens directement de Pepper ou comment ça se passe? C'est original. Oh, le chien! Il se fait agresser par le chien, le chien! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais pourquoi le chien, il est... Pourquoi le chien, il s'appelle comme ça, déjà? Et pourquoi le chien, il a agressé quelqu'un? Et pourquoi il y a un chien? Tu chaton! Il se cache les nœuds! Il a dit j'ai trop souffert là! Trop d'horreur dans cette boîte! Ils sont pas nets dans ces Sims! Hein. Ils sont pas nets! Hein. Ils sont pas nets! Écoutez, on va rentrer et puis on sera bon pour aujourd'hui! Hein. Ils ont trop fumé de chicha! Ça devient n'importe nawak ici! Hein. Non, c'est pas le bug le pour l'ourdingue, mais bon. Salut Bianaïs, comment vas-tu? Je savais pas que les chiens pouvaient attaquer des Sims. Bah, je sais pas quoi, non, moi non plus. Oh, mon Titi. Tu viens? Vous l'avez pas appelé, c'est pour ça. Un Tyrion. Et si le chat, il t'appelle, Titi?
Mais ils sont restés, mais là où ils étaient, quoi. Ils ont pas bougé d'un iota. Il y a que lui qui est revenu. Oh là là, il doit pisser aussi. Maman, le pot. Je dois me pisser dessus, maman. S'il te plaît, tu peux venir m'aider à mettre mon petit zizi dans les petits pots. Oh là 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 là. Il y en a Mozza qui pleure. Oh là 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 là. Ça va, quand je suis rentrée ce soir de Rennes, eh ben écoute, ça se passe. Tranquille ou bilou. Ah ça y est, Mathias aussi, parce que... Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est vrai, j'ai pas bougé le la gamine... Oh, on va la mettre dans le couloir, là, dans l'entrée. Hein. Histoire qu'elle perturbe pas trop. Voilà. Elle sera bien, là. Elle sera bien, Feta. On va pisser. Oh là là, t'es en sale état, ma bichette, hein. Oui, t'as faim, t'as tout, qu'il y a rien qui va. T'as remarqué. T'iras te... te relaxer après. Ah oui, 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 bah... Toi aussi, t'es chiant, Vlados, là. Donc ça, ça, ça... Ça secousse un petit peu. J'ai vu un petit peu de live hier soir. Ah oui. Un petit peu sur beaucoup. Il a fait pipi, mais c'est génial. Ah bah oui, bah joue, tiens, joue. Laisse-nous tranquille un peu. Manger, douche, dodo. Allez, hop. Et on s'arrêtera là. Toi, bah écoute, dodo. Voilà, déjà ça c'est fait. Le vieux. Il se passe quoi? En fait, mais vas-y, mais je t'ai demandé de bouffer en fait. Mais c'est pas grave. Oh là 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 là. Allez hop, les vieux au lit, je ne veux plus vous voir. Lui, il joue, une fois qu'il aura joué, il ira dormir. Et c'est très bien comme ça. Oh, j'ai oublié un Z, c'est pas grave. Oui, mais c'est un prénom. C'est l'orthographe artistique. Je viens de réaliser que je pourrais peut-être pas être là les 31, je pense, jusqu'à 1h du matin. La vache! Qu'est-ce que tu fais jusqu'à 1h du mat? Plus une heure de route? Aïe aïe aïe. Non mais c'est pas grave, Bernay, t'inquiète pas. Oh, Mozza! La Mozza l'a percé! Ah non, l'autre aussi! La feta l'a percé aussi. Tu veux quoi? Toi, tu veux... Bah après, elle parle moins, elle. Aïe, 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 les jumelles, mon Dieu, quel enfer. On verra la semaine prochaine pour adopter. Hein. Je vous dis, on n'a pas le temps. Allez, Jacqueline, va au lit. Sérieux? 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 Seriously? Allez, on met sur pause et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour le Note Sobéry. Et ben voilà. Bébé 2 est devenu bébé 3. Et puis la semaine prochaine, on adopte et on trompe notre mari. Parce qu'il va falloir quand même. Hein? Parce que sinon, c'est... On n'avance pas. On a au moins le niveau 5 de la photo. Et une promotion. Je crois. Donc c'est quand même pas mal. Et la semaine prochaine, on dira adieu aussi à Pomme. Et à sûrement son mari dans la foulée, je pense. En tout cas. Je vous remercie YouTube d'avoir regardé cette rediff incroyable. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Note Sobéry ou d'autres choses. Des bisous. Ciao.